C'est au micro de sa propre émission de radio, ravi de vous rencontrer, que Sophie Davant s'est confiée sur son départ de France 2. Selon ses dires, l'animatrice s'est sentie beaucoup plus désirée pour son nouveau projet. L'heure est au changement pour Sophie Davant. Après 6 ans passés aux commandes de l'émission Affaires conclues diffusée sur France 2, l'animatrice a décidé de raccrocher. Une décision qui a été difficile à prendre, comme elle l'a confié. Pour la première fois, la femme de 60 ans est en effet sortie du silence concernant son départ. C'est vrai que j'ai pris une décision lourde, courageuse je crois, et certainement difficile de changer de route et de défi professionnel au bout de 6 ans des Affaires conclues, une émission qui est entrée dans le cœur des Français, a-t-elle confié à Vincent Cerutti, au micro de sa propre émission Ravi de vous rencontrer. À lire aussi: supérieur à Sophie Davant, âge, taille, salaire, enfant, Instagram. Tout savoir samedi 24 juin 2023, Sophie Davant a également révélé que son départ de France 2 était dû à un conflit d'emploi du temps. C'est une déchirure, dans un premier temps, j'ai essayé de tout concilier, mais voilà, on me propose un défi, juste en face, à la même heure, qu'Affaires conclues, note de la rédaction, a-t-elle expliqué. Mais ce n'est pas tout. Si elle a pris la décision de quitter ses acolytes et les téléspectateurs de la chaîne, c'est parce qu'elle s'est sentie plus désirée ailleurs. France 2 Maître a dit: tu ne peux décemment pas être à la télé et à la radio, ce n'est pas possible. Ce serait un manque de respect vis-à-vis des téléspectateurs. J'ai dû choisir. On a tout fait, on a tout essayé, mais là je me suis senti désiré, c'est formidable qu'à 60 ans, j'ai une nouvelle proposition et l'occasion de me lancer un autre défi. C'est réjoui l'approche de William Lémergie. À lire aussi: supérieur à ma plus belle rencontre, Sophie Davant lâche quelques confidences sur son histoire d'amour avec William Lémergie. Sophie Davant fait-elle ses adieux à la télévision ? À noter qu'après son départ de France 2, Sophie Davant devrait se retrouver sur Europe 1 à la case 16h. Pour autant, elle n'en délaissera pas la télévision. Je tiens à continuer à animer le Téléthon et là, je travaille sur d'autres projets avec plusieurs producteurs différents, a-t-elle fait savoir. En attendant, découvrez qui est sa remplaçante dans Affaires conclues.